La mesure vise à protéger la Commission contre les menaces et les actions en matière de cybersécurité qui peuvent être exploitées pour les cyberattaques contre l'environnement de travail de la Commission. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral ainsi que la plupart des États ont déjà interdit TikTok sur les appareils gérés par le gouvernement. Ils craignent que les données des utilisateurs ne tombent entre les mains de Pékin. TikTok est détenu par ByteDance, un développeur basé à Pékin. En vertu de la loi chinoise, les entreprises doivent remettre les données si les autorités le demandent. TikTok nie avoir transmis des données d'utilisateurs à Pékin. Elle se dit déçue de la décision de la Commission européenne.